On a besoin de personnes morales comme ça qui portent des projets collectifs. Parce que je pense que ça, d'une part, c'est un outil d'éducation populaire, même dans l'économique. Ça apprend des gens. Déjà personnellement, on acquiert certaines compétences de gestion ou d'autres qu'on n'avait pas. Du coup, quand on acquiert des compétences, on comprend mieux et on est mieux en capacité d'analyser ce qui se passe autour de soi. Quand on comprend mieux ce qui se passe autour de soi, en général, on a un peu moins peur de l'autre parce qu'on comprend un peu de quoi il parle et qu'est-ce qu'il peut avoir derrière la tête, alors que quand on ne comprend rien, ça génère des peurs, et la peur, ça génère la crainte, ça génère des fois la violence, et le repli sur soi, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est un projet aussi politique au sens de vie en société. Et si ça n'existait pas, je serais un peu chafouin, comme on dit, de me dire qu'il manque des outils pour que des projets collectifs puissent s'exprimer en toute normalité et légalité dans la société. Oui, on a créé le statistique, c'est-à-dire de favoriser l'émergence et la gestion et la structuration de projets collectifs, c'est ça. Le mot SIC, pour moi, il contient tout ça. C'est pas le statut avec l'article 1, article 2, article 3. Hein. On a créé le statut SIC pour permettre à des groupes de structurer leurs projets collectifs. C'est une société, donc ça veut dire qu'elle est inscrite au registre du commerce et qu'elle produit un bien ou un service qui est vendu à quelqu'un et qui est produit par quelqu'un, en général des salariés. C'est une coopérative, ça veut dire qu'elle met en avant l'individu et pas le capital. C'est une personne égale une voix et pas une action égale une voix. Et quand j'ai du bénéfice, hein, j'en investis la plupart, et pour les SIC, c'est quasiment la totalité, pour continuer à développer ce projet collectif et pas pour rémunérer ni du capital, ni des gros salaires, etc. Même si on paye les salaires normalement. Et elle est d'intérêt collectif au sens où elle va essayer de regrouper diverses catégories d'associés qui ont un lien différent avec la nature de l'activité, mais qui ont tous un intérêt à ce que cette société existe parce qu'elle va rendre, comme dit le titre, un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'elle a une utilité sociale qui va dépasser le seul besoin d'accéder à un produit ou à un service. Il manquait un statut qui nous permette d'être à la fois en coopérative, mais de pouvoir réunir autour de cet objet de la coopérative, un objet social autant qu'économique, un certain nombre de partenaires avec des implications différentes. C'est qu'on ne pouvait pas associer des populations différentes alors qu'on était sûr qu'elles pouvaient avoir un impact dans la vie de la société. Dans la SIC, on doit mettre des gens différents et on peut mettre n'importe qui participe au double objet économique de production d'un service et social. Quand on dit objet social, ça peut être la préservation de la planète, ça peut être des problèmes sociaux divers. On aura dû dépasser les 800 SIC en France, ce qui est à la fois pas beaucoup, mais pas mal, compte tenu de la relative marginalité des statuts coopératifs. L'objectif est atteint et je constate, encore aujourd'hui, j'étais avec un projet de SIC, que des opérateurs sur le terrain, quelle que soit leur activité, c'est très 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 varié, les codes NAV des SIC, il y en a plus de 140. Quel que soit le secteur d'activité, je pense que ce statut sert à des porteurs de projets qui veulent mobiliser autour de leur idée, de leur activité, un certain nombre de partenaires pour rendre encore plus efficace leur propre projet. Aujourd'hui, il permet à des gens d'oser et de faire. Et il y en a qui réussissent. Bon, il y en a qui se plantent aussi, tout n'est pas rose. Hein. Il y a des coopératives, y compris SIC, c'est pas parce qu'on est tous ensemble que ça marche à tous les coups. Il faut quand même vouloir et acquérir certaines compétences. Bon, mais voilà, c'est ce qui m'a heureux, c'est ça. Il y a une meilleure efficacité. On voit des projets dont tous les ratios classiques d'écoles de gestion
auraient prédit la mort assurée, qui ne sont pas morts et qui ont au contraire explosé, parce qu'il y a eu un autre facteur qui a été la motivation collective, l'envie de réussir par rapport à l'objectif que ce groupe s'était donné, et finalement, c'est arrivé. Et finalement, il y a eu une bonne assise, y compris économique. Alors peut-être ça met plus de temps qu'une start-up qui va avoir plein d'investisseurs et qui, en 3 mois, va faire exploser tous les chiffres d'affaires. Mais pour moi, ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est que, quel que soit le volume du groupe, que ce soit 40, 50 ou 400 personnes, à un moment donné, si finalement, après des débuts chaotiques, parce qu'on visait d'abord le côté que j'appelle le social, mais le social au sens très large du terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'était pas très performant au niveau économique, mais que finalement, parce qu'on voulait arriver au but, on s'est formé et on arrive à bien gérer la société, pour moi, ça vaut toutes les cotations en bourse du monde. J'ai pas fait 50 000 choses dans ma vie que je commence à regarder par derrière exceptionnelles, mais que celle-là, j'ai contribué en tout cas à faire que ça émerge et je suis satisfait. Bon, j'aurais aimé des fois faire des choses différemment, y compris pour ça, ou mieux. Mais en tout cas, je suis content, oui, d'avoir participé à cette aventure-là. Je suis sensible aussi que j'ai rencontré, aux projets que j'ai eu la chance de rencontrer, aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais je me dis que d'abord, je n'aurais pas eu cette chance-là de rencontrer ces gens et ces projets géniaux. À partir du moment où il y a des gens, qu'on s'intéresse un peu aux gens, ce qui est mon cas, et qu'on a envie que ce qui est dit comme projet collectif, en l'occurrence pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne dénigre pas les projets individuels, mais bon, ma fibre vibre moins, je suis moins intéressé par les projets individuels que des projets collectifs qui mettent en branle au moins 2, 3, 4, 10, 20 000 personnes. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait bouger. Et ce qui me rend heureux, oui, c'est de sentir qu'il y a des gens qui osent avoir des idées parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être seuls pour les mettre en route. Et ça, je trouve que c'est... encore une fois, je ne nie pas le côté intéressant d'un entrepreneur qui a une certaine capacité, qui peut être un leader, etc. Bon, c'est très bien et heureusement qu'il y en a. Mais moi, ce qui me fait plus vibrer, c'est que des gens qui ont des idées, mais qui, pour plein de raisons... à la fois sociologique, de leur milieu ou d'éducation, ne se sentent pas entrepreneurs et ne le sont pas. Moi, j'ai géré une scope, je ne suis pas entrepreneur. J'ai géré une scope pendant 20 ans, je ne suis pas entrepreneur. Mais le système coopératif m'a permis d'accéder à cette fonction-là. Il y a eu la volonté de trouver un statut un peu hybride, qui était à la fois dans la production économique et à la fois avec un fort projet social. Donc c'est comme ça que dans le Nord, il y a eu une étude dans les années après 95 qui a abouti à l'appellation coopérative d'intérêt collectif, société coopérative d'intérêt collectif. Donc bien sûr, on a embrayé, on s'est rejoint. Et à la fin des années 90, il y a eu la volonté du mouvement des SCOP, dans lequel j'étais, puisque j'étais gérant d'une SCOP depuis 20 ans dans le cadre de la maison d'enfants où je travaillais. Il y a eu la volonté de faire une expérimentation qui préparerait un projet de loi qui finalement est arrivé vite, puisqu'il y avait à ce moment-là, il y a eu la nomination non seulement d'un délégué interministériel à l'économie sociale, qui a porté le projet de loi, Hugues Sibylle, et puis il y a eu la nomination d'un secrétaire d'État à l'économie solidaire, qui fait que la loi SIC a été étudiée au courant de 2000 et votée le 28 juin 2001, ce qui est... une performance pour une loi à partir du moment où on l'a mise en chantier, où elle a été votée, et elle a été publiée. C'est la loi du 17 juillet 2001 qui a créé le statut SIC. D'une part, j'étais suffisamment motivé parce que je voyais bien dans l'expérience que j'étais en train de vivre professionnellement comment ça pouvait apporter des facilités en plus. D'autre part, dans ma posture de responsable de l'association des SCOP du Languedoc, j'ai engagé une action avec le Conseil général pour
qu'on puisse copier les coopératives sociales italiennes, donc j'étais un peu moteur là-dessus. Et quand il s'est agi au niveau national avec d'autres collègues qui avaient fait donc d'autres opérations, notamment celle de nommer, de donner le nom à la SIC qu'on a endossé, on m'a proposé tout simplement, le réseau m'a proposé de porter l'expérimentation et d'être l'animateur de ça, ce que j'ai accepté. Moi, je me suis passionné, oui. Je me suis passionné. Le collectif qui a eu une idée et qui l'a mis en place et qui a mis un peu d'argent ou de son temps ou de ses compétences pour le mettre en place, il n'est pas question qu'il se départisse de l'orientation et de la gestion de cette activité. Donc, ce n'est pas rien, ça. C'est pas, tous les collectifs n'ont pas cette ambition de maîtriser l'outil qui leur rend service. Voilà. D'accord, tu as un exemple. Je vais à une piscine municipale, je ne suis pas dans la gestion de la piscine, je veux simplement que la piscine marche bien. Et je mandate, c'est la politique de mandatement, je mandate quelques personnes qui s'en occupent, et puis voilà, je leur fais confiance. Et je m'en occupe pas. Alors, mon initiative, c'est d'avoir rejoint celle de quelques autres, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiative personnelle. Et c'est la résultante d'un certain nombre à la fois d'actions, d'expériences professionnelles, d'idées, de certaines personnes avec lesquelles je travaillais ou que je croisais. Ça vient de, comme j'ai dit, de 20 ans de travail en collaboration avec un directeur d'une maison d'enfants où j'étais, qui avait des tas d'idées pour remplir la mission d'insertion des gamins qui étaient confiés par les services sociaux et par le juge pour enfants, et qu'il fallait insérer. Donc au nom de l'insertion, il y a des tas d'initiatives, notamment certaines pour le loisir bien sûr, mais aussi certaines pour l'activité économique, dont la création de structures de production de services économiques qu'on avait réalisées dans les années 80 à SCOP. Et on se rendait compte que l'association d'un certain nombre de partenaires autour de l'activité de cette SCOP, qui est un restaurant, n'était pas possible vu le statut juridique qui privilégie, à juste titre, dans une SCOP, la place des seuls salariés. Dans le restaurant qu'on a implanté à l'intérieur des murs de la maison d'enfants, pour que les enfants ne se sentent plus en prison d'une part, qu'ils aient aussi accès à un service ouvert, et qu'ils ressentent comme n'importe quel citoyen, on peut dire, même s'ils étaient mineurs, parce qu'il y avait 300 personnes de l'extérieur qui venaient manger dans leur salle à eux, et qu'eux, ils mangeaient, ils prenaient leur plateau de self au milieu de ces 300 personnes-là. On voit bien que participent très fortement à l'insertion sociale par l'acte du repas les 300 clients qui viennent simplement, eux, manger. Ils ne viennent pas pour participer à un objectif social. Sauf qu'à l'intérieur de ces 300, enfin 300 et tout ce qui passe tous les jours, on espérait pouvoir motiver, et on l'a fait d'ailleurs indirectement, une dizaine ou une vingtaine qui comprenaient très bien dans quel restaurant ils rentraient et que le fait de venir là participait à l'insertion des jeunes. Donc ce qui me manquait, c'était qu'on puisse leur donner juridiquement une place à ces personnes-là. Et ce sont les Italiens qui nous ont montré le chemin en 1991. Donc, c'est pour dire que l'initiative, elle ne vient pas toute seule. Et elle est le produit d'un certain nombre de résultantes et puis de l'air du temps aussi. Donc, les Italiens ont légiféré en 1991 sur des expériences qu'ils avaient déjà depuis plus de 15 ans sur ce qu'ils ont appelé coopérative sociale. Et on s'est beaucoup inspiré de ça. Moi, j'étais responsable à ce moment-là d'un réseau de coopératives dans le Languedoc-Roussillon. On est allé avec le conseil général de l'Hérault visiter des coopératives sociales italiennes. Puis on a été financé pour un bout d'études pour voir comment on pouvait adapter la coopérative sociale italienne au régime français.